Capitale politique et administrative du Maroc, Rabat est une ville ouverte au reste du monde. Depuis l'indépendance du royaume en 1956, c'est une capitale tranquille, percée de larges avenues fleuries, plantées de palmiers. Un havre de paix bien différent de sa voisine, Casablanca, ville en perpétuelle ébullition. Chef-d'œuvre de l'art traditionnel marocain, le mausolée de Mohamed V représente le cœur de la royauté. À l'intérieur de cette bâtisse de marbre blanc d'Italie, coiffée d'un toit pyramidal de tuiles vertes, reposent les rois Mohamed V et Hassan II. Quatrième ville impériale du Maroc après Marrakech, Fès et Meknès, Rabat possède un riche passé. Son impressionnante muraille, érigée au XIIe siècle, protège la casbah des Oudayas. Le cadre idéal pour un architecte souhaitant faire entrer le style traditionnel marocain dans le XXIe siècle. Bonjour, je suis Shafiq Bage, architecte. J'ai choisi d'habiter une maison traditionnelle dans la ville de Rabat. C'est une maison marocaine, traditionnelle, authentique, mais réfléchie de façon contemporaine, c'est-à-dire avec tout ce qu'on a besoin aujourd'hui dans le confort, dans la sécurité, dans l'esthétique. La maison est, bon, elle est toute blanche, elle reflète la couleur de Rabat. Et l'entrée, c'est une entrée purement traditionnelle, en pierre de Salé. Et j'ai mis des cloutages en inox, normalement c'est en ferronnerie. Et j'ai voulu particulariser cette maison par rapport aux autres par la plantation d'un arbre qui normalement n'existe pas dans ce genre de quartier. Et là, je vous invite à me suivre pour voir le reste si ça vous intéresse. Donc là, nous sommes dans le patio. Donc, comme dans toute maison traditionnelle marocaine, il y a un patio autour duquel la vie se fait. J'ai voulu rentrer un côté contemporain dans la maison en changeant le sol, qui était du gilige, mais qui était en très mauvais état. Et j'ai utilisé des matériaux qu'on n'utilisait pas à l'époque, donc du granit noir. Ces arcades étaient peintes en verte et je pensais que c'était du plâtre. Et donc je les ai fait décaper et moi c'est avéré qu'elles sont en pierre de Salé, comme dans toutes les maisons de Rabat et de Salé. Et j'ai recréé ces arcades-là, de part et d'autre, à l'identique de celles-là qui existaient. Autre élément architectural décoratif que j'ai utilisé dans ce patio, c'est ce corbeau en bois qui est peint avec de la peinture naturelle à base de plantes. Et on voit vraiment... C'est des couleurs très très belles, très, très calmes, du bleu, du vert, du beige. Alors qu'aujourd'hui, bon, ils utilisent du rouge, de l'orange, tout ça, c'est pas très heureux. Autre chose que j'ai utilisée dans cette maison, c'est seulement deux couleurs, le blanc écru et le noir. Parce que comme j'ai beaucoup d'objets, j'ai essayé de rester neutre et pour pouvoir mettre en valeur les objets que j'avais. La plupart des objets que vous voyez, je les avais avant. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai construit la maison autour, parce que la maison, elle existait dans sa forme et dans son organisation. Mais c'est vrai, certains objets sont mis en valeur et par le fait que je les ai placés à tel endroit et que je savais que je les avais, donc que j'ai pu éclairer aussi d'une certaine manière, que j'ai placé dans une perspective, etc. Par exemple, ce tableau, c'est Frel Geragui de Tanger. Donc il est spécialisé dans ce genre de peinture et souvent les gens ils sont très très surpris, surtout quand ils arrivent en partant, surtout en partant de la maison, ils le découvrent et souvent ils s'étonnent, ils pensent que c'est une vraie porte d'Aiglun qui est accrochée là-bas avec un cafetan en lambeaux accroché. Donc ils s'approchent pour vérifier et ils touchent pour voir si vraiment c'est du vrai ou du faux. Comme dans toute maison traditionnelle marocaine, autour d'un patio, il y a les salons. Ici, il y en a deux. Donc déjà à ma droite, il y a le premier salon. C'est un salon traditionnel marocain. La couleur, j'ai voulu trancher par rapport à tout le reste de la maison. La confection du salon marocain a été faite comme une tenue traditionnelle marocaine. Donc avec le caftan, les boutons qui sont faits à la main, avec les broderies qui sont faites aussi à la main, avec la dfina
qui est brodé et avec le tkrir qui est fait aussi à la main. Et c'est un salon qui est un peu spécial que moi, à ma connaissance, personne n'a encore fait. De part et d'autre de ce salon que j'ai fait, j'ai créé des plateformes qui sont symboliques de la vie d'autrefois. Avant, les parents vivaient de part et d'autre. Donc il y avait leur lit sur ce côté-là. Et les enfants dormaient sur les matelas. Mais comme moi, je n'allais pas mettre de matelas, comme j'ai beaucoup d'objets, j'ai mis certains objets en valeur, dont ce paravent qui représente la préparation du marié juif à Tanger. Donc là, on se dirige vers le deuxième salon, qui est le même que l'autre du point de vue proportion, hauteur, dimension et plafond, mais que j'ai voulu meubler à l'européenne. Architecturalement, j'ai cassé cette partie-là pour faire une arcade. Et j'ai mis les portes qui existaient avant à l'extérieur ici, je les ai mis à l'intérieur. Ben, je crois que ça reflète un peu ma personnalité parce que je suis d'éducation musulmane et de culture occidentale. Et donc je crois que ça se reflète la façon dont je vis. Je suis attaché à mes traditions, mais en même temps, j'ai envie d'avancer de l'avant, d'oser autre chose. Fils de diplomate, Shafik Kabbaj a grandi entre Rome, Vienne, Dakar et Paris. C'est pourtant dans sa ville natale de Rabat qu'il a choisi de s'installer avec le rêve de se construire une maison marocaine à la fois traditionnelle et contemporaine. Donc là, nous arrivons dans mon espace préféré, qui est l'espace où j'aime être le soir pour regarder la télé, lire un livre, recevoir des amis intimes. Et j'ai mis aussi les tableaux que j'aime, dont celui-là, qui représente un orchestre andalou de Salé. C'est des gens bon, qui jouent de la musique entre eux et en attendant de boire le thé. Donc j'ai dû créer une ouverture pour pouvoir accéder à une ancienne cour de service qui était très, pas très esthétique, mais que j'ai aménagée, que j'ai restructurée architecturalement en reconstruisant les arcades, les murs de part et d'autre, en mettant des miroirs pour agrandir. Et pour donner une ambiance à cet endroit-là. Bon, c'est un deuxième patio, mais en même temps, c'est comme un petit jardin avec cet arbre que j'ai mis là. Depuis le début, il n'est pas encore mort, donc il tient le coup. Et pour moi, c'est comme une petite terrasse, puisque c'est une maison où il n'y a pas de jardin. Là, nous allons continuer la visite. On va monter en haut vers ma chambre. J'ai recréé l'escalier à l'ancienne, c'est-à-dire étroit et assez haut, et j'ai fait un petit clin d'œil à la tradition de notre culture où les femmes étaient cachées à l'époque et qu'elles pouvaient voir sans être vues. Bon, moi ça me sert pour voir un petit peu quand je reçois, si les gens sont à l'aise ou pas. Voilà. Donc là on arrive à l'étage, c'est un étage qui n'existait pas, donc la maison était seulement en rez-de-chaussée. Et donc j'ai créé cet étage pour mettre ma chambre à coucher. C'est la fameuse cour de service qui existait à l'époque, donc que j'ai recouvert avec ce puits de lumière. Cette collection de portes berbères, je l'ai acquise au fur et à mesure, et ce n'est qu'une partie de ce que j'ai. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sculptures géométriques. C'est pas floral, c'est pas comme dans l'architecture arabe, c'est très très géométrique. C'est des petites portes, les gens devaient se baisser pour entrer dans leur domicile. Au bout de la mezzanine, l'atmosphère blanche et noire de la maison se fond dans une ambiance plus chaude, reprenant les volumes et les couleurs des hammams de Marrakech. Là, nous sommes dans ma chambre à coucher. C'est une chambre que, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours rêvé en tunnel. Donc je l'ai réalisé avec de la brique de Marrakech et avec du tadellakt. Du tadellakt qui est excisé, donc on a une bande qui est naturelle, lisse, comme du stucco, et une bande qui est rêche. J'aime recevoir et je suis un peu théâtral dans ma façon de recevoir. Donc j'ai envie quand les gens arrivent déjà à la porte qu'ils ne s'imaginent pas ce qu'il y a derrière. Et donc, après, ils rentrent, ils découvrent le patio, ses salons, puis on monte à l'étage, puis
on arrive à la terrasse du jardin. En général, mes invités pensent que la maison est... Ça y est, ça, la visite s'est arrêtée là. Mais bon, surprise, comme toujours, j'ai concocté pour eux une petite terrasse, jardin, suspendue, qui tourne autour du patio, l'ouverture du patio. Et c'est un endroit extrêmement agréable, pour, surtout en fin d'après-midi, pour les soirées, pour recevoir et même pour se reposer tout simplement. La démarche de Chafik Kabbaj dépasse le cadre du Maroc pour s'intéresser à l'Orient. Le melting pot d'objets et d'influences de la maison a pour ambition de retrouver la mémoire et la culture arabe en réinventant les codes de l'habitat traditionnel. Après, de ce côté-là, nous avons un petit salon à la marocaine, peint à la main, sur toile, avec des motifs gilige, avec des couleurs intéressantes. Là, j'ai un objet intéressant que je n'ai jamais vu ailleurs, que j'ai acheté chez un antiquaire. C'est un porte-thé et gâteau. Donc on mettait les verres à thé ici et on mettait les gâteaux là et on posait devant les gens. C'est de salé et c'est du zouaké, c'est-à-dire c'est pas à la main. C'est agréable parce que on n'a pas l'impression d'être dans une maison fermée. On a un jardin en face, on a un kiosque de jardin, il y a de la lumière, il y a du soleil et c'est un endroit qui plaît énormément aux gens. Les gens, quand ils viennent ici, ils n'ont pas envie de quitter, ils se sentent à l'aise. Et moi aussi, je suis très heureux parce que c'est vrai, dans une maison marocaine, c'est très bien d'y vivre, mais il y a ce côté jardin qui manque en général. Et donc, j'ai pu créer ce petit espace vert. C'est une maison que j'aime comme une femme. Je crois qu'elle reflète ma personnalité et elle fait partie de moi, c'est sûr.